Salut les voyeurs. La brume est de plus en plus épaisse, hein. Je sais même pas si on va trouver l'embarcadère, maman. Et oui, parce que bon, on a très bien dormi. Ah ouais, les deux nuits, rien à dire. Franchement bien. Ouais. Bon, de temps en temps la musique. Ouais, mais ça va avec, hein. C'est comme ça. Donc oui, on se rend à l'embarcadère parce que nous allons prendre un bateau ce matin en direction de Muang Noi. Ouais, c'est ça, un petit village qui se trouve à 30 km au nord d'ici, oui. Mais on peut s'y rendre que par la voie fluviale, donc que en bateau. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous avons payé... On n'a rien payé pour l'instant. Oui. On s'est renseigné sur le prix, c'est 50 000 kip par personne, ça fait 2,65 € à peu près. Ouais. Et on essaie d'arriver un peu tôt, c'est à 11 h, hein, le départ. Ouais. Il est 9 h 30. Parce qu'il n'y a pas de réservation possible, maman. Oui, donc comme on veut se frayer un chemin jusqu'à ce village... Ah oui, mais ça, on veut absolument y aller, quoi. Bah oui. Vraiment petit, hein. Oui, il ne va pas y avoir grand-chose à faire. Alors ça, plus la brume. Oui, qui information voyageur, maman, ça tourne. Tu me prends sur le vif comme ça. J'aime bien, ça te surprend. C'est pas bien. Hein. C'est alors, pas bien. Donc nous avons pris nos tickets pour prendre le bateau. Et oui, c'est pas gratuit. Donc comme je l'annonçais, 50 000 kip, c'était bien ça, 2,65 € pour se rendre donc à Muang Noi. Mais ensuite, dans le 11, parce que là, il faut établir la bonne date, parce que le 10, c'est la fête ici, donc on pourra pas prendre le bateau. Donc le 11, on reprendra le bateau, cette fois-ci pour plus de 5 heures de bateau, maman. Et nous irons direction encore plus au nord, Muang Kua. Voilà. Et on a également pris nos billets directement ici déjà, comme ça on est tranquille. Tout est planifié. Il n'y a plus qu'à dormir 3 nuits à Muang Noi, maman. Le tarif, tu vas savoir, pour le deuxième voyage, c'est 250 000 kip, ça fait 13 € quelque chose. Par personne. Par personne, ouais. Mais là, il y a une plus longue distance, hein. Ouais. 5 à 6 heures de bateau. Voilà. Donc ben là, c'est l'aventure. Ah oui, là, ouais. Et puis ensuite, on continue, on a le temps, hein, d'en parler, bien sûr. Il y a pire, non, pour attendre le bateau? Oui, il y a pire, on est très très bien. Que dire, petite musique d'ambiance, vue imprenable. On est bien. Notre bateau est arrivé. Ouais. Tout le monde se précipite pour avoir la meilleure place. Ouais, c'est compliqué. Il y a du monde, en fait, y a des vélos. Ouais, il n'y a que 6 sièges en fait, et après c'est des planches en bois. Eh ouais, les plus jeunes seront certainement sur des planches en bois. Bravo, Wiki! Vous avez essayé de s'installer quand même. Ouais, il y a du monde, hein. Oui, je vais voir.
Ouais. Bon ben on est bien arrivé. On a mis une heure. Une heure et quart. Ouais, c'est bien. Ouais, nickel. Allez, vas-y, on bouge. Are you ready? Ok. Pour le show. Small room. Small room. Yeah. Yes. Alone, huh? You. Oh, two people. Yeah. Two people. One room. One room and two room, two people. No, one room, two room. People. Yeah. Yeah. Bon, bah, c'est bien. Oui, très bien. Nous avons trouvé cette chambre. Oui, marqué le nom. On revient tout de suite. On revient tout de suite. Donc, on se déchausse. Nous avons trouvé cette chambre. Parce que oui, dès que vous débarquez, évidemment, tout le monde vous saute dessus. Il y a quelques guests. Ça fait partie des deux guests que j'avais repérés. Donc, je suis content quand même. Ça tombe super bien. Ouais, ouais, ouais. Donc, ils vous sautent dessus, hein, bien sûr, pour vous atterrir dans votre guest. Mais celle-ci, c'est la première en sortant de l'embarcadère sur la droite. Franchement, très sympa. Le monsieur parle français. Il nous a proposé directement cette chambre. Est-ce que tu vois où... Ah ouais, très très, très bien. Non, non, parfait. Donc, un grand lit, une moustiquaire ouais. En bois, hein, ça reste... Ah non, c'est un bungalow. Hein. Franchement, c'est très sympa. Hein. Ouais. C'est vraiment du c'est, dur. C'est mieux qu'hier, quand même. C'est mieux qu'hier, bien après, sûr. Après, c'était bien, attention, hein, mais oui. On est sur un autre niveau. Un petit peu au-dessus. Moustiquaire, donc ventilateur. Attends, cuisine, je... cuisine. Mais dis donc, j'ai un mini bureau pour travailler. Bah oui, tu vas bon, bah, je vais bosser dans le lit, hein, c'est pas grave. Donc ça. C'était pas une cuisine en fait, c'est une salle de bain. Hein. Ouais, bah oui, bah bon. Waouh, très très grand. Rien c'est à voir avec. Non, ça n'a rien à voir. Vous avez un lavabo, un miroir. Viens, rentre un petit peu peut-être. Ah oui, c'est gigantesque en fait ouais, par rapport à hier. Bon, il y a toujours le truc pour le sol, là, ouais, le ouais. Pour la ventilation, ça c'est bien aussi. Ouais, c'est ça. Donc, le prix c'était 2000 kips la non, nuit. Non, pas 2000, bah bon. 200 000. 200 000 kips, autant pour moi. La nuit, le monsieur direct nous a proposé un discount, il nous l'a fait à 150 000. Ce qui fait 8 euros, on va dire. 8 euros. Voilà. Donc, on pose nos sacs, on va s'enregistrer. Ouais. Et Wiki, je te le dis, on va les manger. Ah oui, bien sûr. Et on est là pour 3 nuits. Et nous sommes là pour 3 nuits. Mamour, c'est toi qui t'y colle pour ZZ et Pouzix ? C'est ça. Une personne. Une personne. Très bien. Une personne. Le checking, c'est terminé. On a la clé de notre bungalow, ça c'est bien. Mais Mamour, tu vas continuer la présentation de cette guest house, oui, Mamour. C'est pas fini. Bah, là, ce n'était que le bungalow. Fait, hein. On va voir, ça va être vite fait, vas-y. Bah, les bungalows, il y en a deux ici. Ensuite, ce sont des... C'est en dur. Après, c'est en dur, ouais. Mais il n'y a pas... C'est un peu plus cher. Il n'y a pas moult chambres. Oui, c'est un peu plus cher en dur. Nous, on voulait bungalows. Ah, ça, c'est important, maman. Bien sûr, terrasse, bien. Imprenable. Franchement, c'est magnifique. On voit un peu. Eh oui, voilà. Ah, on a une belle vue, on est bien. D'ailleurs, si tu veux savoir, il y a le café tous les matins et même des bananes. Ah ah ! J'allais le dire. Ah et maintenant, il va y avoir un repas. Allez. Ah oui, t'as faim maintenant, c'est vrai. On commence immédiatement par une information voyageur. On nous avait précisé ce matin qu'il fallait prendre nos tickets jusqu'à Muang Kua, parce qu'on ne pourrait pas les prendre ici. Mais je vois qu'ici, ils annoncent les prix et tout. Je pense qu'il y a moyen de les prendre malgré tout. Oui. Enfin, au moins, c'est fait. Les tarifs sont là, on vous les a donnés. Et ça, c'est bien. Ce sont les mêmes tarifs. Donc, on ne s'est pas fait enfler sur le tarif. Non, pas de surprise. Donc, tout va bien. Nous, on a nos billets. Et ben voilà, c'est bon, on va pouvoir aller manger. Par contre, bah, tu avances quand même, mais lentement, tu ne cours pas comme d'habitude, tu es en marche arrière, tu vois pas ? Oui, je vois, puis ça va monter, il y a des cailloux et tout. Donc, enlève on risque de rigoler. Enlève de tes mains de tes hanches, là, tu as l'air un peu trop sûr de toi. De quoi ? Fais-moi un peu l'histoire du village. Ah oui, c'est vrai, on m'a fait une petite remarque, parce que je n'avais pas fait d'historique sur la ville de Nong Kyo. Ben, je vais parler un petit peu de ce village, alors. Le village de Muang Noi. De ce que j'ai recueilli comme information sur le net. Il serait donc sous sa forme depuis le 15e siècle. J'en doute un peu, parce que quand on voit le nombre de guest house, de restaurants, je pense que c'était pas comme ça. Mais bon, l'électricité d'ailleurs est arrivée seulement en 2010, il n'y avait pas d'électricité ici avant. Il faut savoir que c'était la capitale, d'ailleurs, d'une série de colonies Thaï qui étaient installées le long de la rivière, hein, bien sûr, et puis également on les retrouvait au Cambodge, au nord de la Thaïlande, on les retrouvait également en Birmanie, voilà, un peu partout quoi. Et puis sinon, ben voilà, t'es dans la rue principale, maman. Une rue de 500 mètres de long, de part et d'autre, des guest houses et des restaurants. Et c'est tout. Ensuite, on pourra aller explorer
des petits villages bien plus pittoresques et authentiques, je pense, qu'ici, parce que ça s'est bien transformé avec le tourisme. Et ça, ce sera pas pour tout de suite, ma chérie. Tu te promènes ? Eh oui, je me promène. Et je découvre mon amour en même temps que toi. Tu vas pouvoir faire du shopping également, maman. C'est joli, hein. Ça va, Heidi ? Elle boude. Elle boude, ouais. Wiki! Il y a une jolie carte, et surtout ouais. Il y a même les prix. Et donc ouais. C'est correct, hein, une moyenne de 30 000. Non, c'est bien. Il y a même des nems, maman. Haha! Tu vas être contente? Oui. Bon, allez, on s'installe là. Ça va, Heidi? Oh, Mimi! Miaou! 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 On se met. Où ça ? Là, c'est bien ? Ouais, très bien. Super. Une petite salle de restaurant bien décorée. C'est mignon ! Ah, oh, it's so cute ! Exactement. T'as vu comment je traduis bien le ouais. Français en anglais, là ? Ouais. C'est mignon, it's so cute. Que progrès, mais que progrès ! Quand même, on attend. Mais t'es une chieuse, t'es chiante avec tes nems. À chaque fois, on attend deux plombs. Mon plat, ça fait 20 minutes qu'il est arrivé, il va être froid. Mais Kira, alors, t'as qu'à prendre des nems. En plus, j'ai pris quelque chose de super bon. Regardez-moi ça un peu. Ce curry. Curry aux légumes avec. J'ai pas fini. On verra après tes nems, c'est tout le temps la même chose. Avec son sticky rice, c'est vrai quoi. Non, c'est pas tout le temps pareil. Elles sont différentes celles-ci. Ah oui, elles ont été encore plus longues à préparer. Oui, peut-être, mais donc différentes. Je mange froid à chaque fois. Non, allez, c'est bon. Trêve de plaisanterie. Oui, nous sommes là pour remercier les tipeurs du jour, Marcel et Corinne. Une nouvelle fois, on vous remercie pour votre générosité. Oui, c'est vrai. On va se régaler. On vous dédie ce repas d'ailleurs. Ouais. Eh oui. Regardez. Non, non, on trempe pas les nems dans mon curry, maman, mais t'as une sauce. C'est fou ça. Hein. Ça se marie bien. Vous avez remarqué, dès qu'on a posé les sacs dans le bungalow, les premières paroles ça a été bon, maintenant on va les manger. Bon, on n'a pas été manger, hein. Allez, je suis prise par son élan, c'est parti. Bah, j'avais envie de découvrir un petit peu. Maintenant on va faire quoi? Ça y est, on a visité la ville. Bon, bah c'est tout. Bah, sur ce, on espère que vous avez passé une. Bon, allez, on mange quand même. Bah, tu te plaignais. C'est bon. Je peux goûter ? La patate douce. Ah, ça va être bon. Eh oui, c'est bon. Voilà, mange tes nems maintenant. Oui, qui les bons comptes ? Fais-moi rêver. Fais-moi rêver ? Attention ouais. Derrière. Oh, pardon. Nous avons donc payé la note. Oui. 4,30€ pour ce magnifique repas. Quand oui, même. Là, c'était pas très juste bon. Deux soupes, quoi. Non. C'était mon premier curry d'ailleurs. Oui. Au Laos. Était-il bon? Excellent. Je crois que c'est un des meilleurs que j'ai mangé. Je l'ai mangé ailleurs déjà. T'as perdu ta voix ou quoi? Pourquoi? Je t'entends non. pas. Fais voir, je t'entends pas. Amour. Arrête de faire ça. Tu vas être puni un jour. Tu vas voir. Ouh, j'ai peur. Donc c'était super bon. Vraiment, je suis content. Voilà. Allez, ciao. Encore et toujours ces galettes de riz, maman. Ouais. On va finir par goûter. Hein. Ouais. Bah là, le problème, c'est qu'il y a toutes les cendres qui tombent dessus hein, avec cette pollution, ouais. Avec cette fumée. Là.
qu'est-ce que c'est que ça? Un petit piaf. Chicken. Un chicken? Tu veux goûter le chicken? The chicken is dead. Ouais. Bah, il n'avait pas l'air très bien en point. Ah. Mais il en prend soin. Hein. Je ne sais pas s'il va réussir à le réanimer. Peut-être. Hein. Bah, écoute, ils ont l'habitude. Peut-être qu'il va y arriver, maman. Bah oui, certainement. Tu ne sais pas, c'est le vétérinaire du coin. Ça se trouve, ouais. Il est bien agréable, ce petit village, je trouve. Beaucoup plus calme que le précédent. Oui, beaucoup plus calme. Du coup, je parle pour qu'il y ait un peu d'ambiance, quoi. Parce que non, c'est je ne veux pas chanter. C'est pas utile. Ça va, Heidi ? Ça va, Heidi ? Ah là là, ça travaille, ça travaille. Ouais. Ça tisse, ça tisse. Ah, deux heures pour faire un. D'accord, ok. Mais comme l'autre est en soie, les prix sont différents. Voilà. Okay. Ok, c'est bien, comme ça tu sais tout. Je sais tout. Cocktail alive. T'as récupéré tous les renseignements pour le tissu, c'est bien. Ouais, mais c'est pas ça qui m'intéresse. J'ai vu un temple, j'ai trop t'es envie d'y aller. C'est pas vrai, t'es une grosse menteuse. Non, parce que je me dis, si on fait le temple maintenant, on fera pas de viewpoint. Ah si, on fera un viewpoint, maman. On est venu ici, on va faire un viewpoint. Oh. On va pas faire un viewpoint. Moi, je te l'annonce tout de suite, on va faire une ascension. À l'arrivée, il n'y a pas de viewpoint, vu qu'on n'y voit rien. On va juste grimper, voilà. C'est pour entretenir notre forme. Ouais, ben, je pense que je suis en forme, hein. Hop, day, hop, day, hop, day. Hop, hop, ouais, hop, c'est bon, hop. Tiens, profite. En plus, c'est bien, on a la bonne tenue, c'est on va pouvoir profiter. C'est close. Écrit mais pas close. Du tout, maman, tu racontes n'importe quoi. Avance. Tu me demandes pas le nom du temple, rien. C'est rare, ça. Non, ça m'intéresse pas. D'accord. Bah écoute, tu sais quoi, bah, je vais on te le dire quand même. Wat. On est au Wat, au Kad. Simon. Sarayam. Bien, moi. Ouais. Ah bien. Non, je lui dis toujours bien, mais en fait, c'est pas bien. Elle donne toujours des noms nuls. Donc, non, c'est pas bien du tout. Si tu prononçais bien, peut-être j'arriverais à répéter. Allez, c'est bon. On va profiter un peu de cette visite tranquillement. Du calme. Oh Nini! Il est triste! Il est triste, Nini! C'est fermé! Oh, c'est ballot ça! Hein. C'est pas grave, maman, écoute, les extérieurs sont jolis aussi. Oui, ça manque un petit peu d'entretien malgré tout. Hein. Ouais, mais ils peuvent pas tout faire. Ils sont non. en train de fabriquer de nouvelles statues. Ah! Très belle initiative! Atelier! Atelier Macomoulage. L'Ubosot n'est pas ouvert, mais t'as vu derrière là? Eh, hey, c'est pas tous les jours un escalier qui mène comme ça à la rivière, vous allez voir. Ouh. C'est super beau, mon amour. Oui, c'est très beau. Oh, c'est beau. On vous souhaite la bienvenue à Mong Noi Plage. Eh ouais, il n'y a pas qu'à Paris, hein. Non, mais c'est vrai, maman. Tu vas pouvoir te baigner et tout, c'est cool. Oui, demain, j'ai pas mon maillot pour l'instant. Oui, demain, après avoir fait une bonne grimpette, ça voilà, te fera du bien, maman. Exactement, ouais. T'as vu le mec qui fabrique des bateaux, là? Ouais. Bien, non? Bien. Je vais aller le voir. Bah oui. Alors ? Elles sont dures ces boules, hein ? Ouais. C'est une technique, hein. D'abord le sable humide, ils vont mettre de la terre un peu plus dure là-haut et ainsi de suite. Ça fait pas que des boules, hein ? Non, c'est l'heure du bain collectif également, hein. Chacun se savonne. Ouh.
T'as vu? Tu as réussi à te trouver une petite grimpette quand même. Oui, je suis pas étonnée. Allez, roule ma poule. Oui. Comment terminer une journée bien remplie? Avec un milkshake, maman. Oui. Un vrai milkshake. À l'ananas. Non, à la mangue. Chacun son choix quand même. Chacun ses goûts. Hein, je suis pas obligé de prendre l'ananas quand même. Non, oui. Je suis pas obligé. Eh bien écoute, tu vois cette première balade dans ce village, hein, parce que là c'est un village, hein, c'est vite fait, on a fait deux fois l'aller-retour. Oui. Bah ben, sympa, c'est... hein. Ouais, c'est sympa. Ouais. On retrouve des trucs beaucoup plus typiques malgré les guest houses. Ouais. C'est dans son jus, c'est cool. Oui, quand même, bien sûr. Il y a plus d'animaux cette fois-ci que de véhicules. D'ailleurs, il y en a pas. Il y a deux, trois, oui, y en a deux, trois camionnettes pour les livraisons, mais il n'y a pas de véhicule, véhicule léger, quoi. Oui, c'est ça, des véhicules légers, des automobiles. Ouais, tout simplement, quoi. Oui, ben oui, enfin. Pour des particuliers, quoi. Donc oui, très sympa, notre guest a l'air très sympa, elle est au bord de l'embarcadère. Le bateau, quand même, ce matin, toi, ça va, tu étais en première classe, madame. Oui. Et moi, pour et le oui. même tarif, j'étais assis sur un banc. Et oui, mais t'as voulu faire ton charmant et laisser ta oui, place bah, à écoute, une dame, et voilà. J'ai bien fait quand même. Ben, je ne sais pas, puisque du coup, t'as mal aux fesses. Non, ça va encore, là, il y avait qu'une heure, une heure et un quart. Oui, on verra la prochaine si fois, y a 5 heures, tu pour le prochain route. Voyage, on verra. Mais bon, là, je l'ai fait. On était quand même serrés comme des saucisses à l'arrière. Hein. Oui, qui galant. Oh là là, il est tout ce wiki. Mais non, mais non. Eh bien, écoute, voilà, je n'ai plus rien à ajouter. Donc, non. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et on vous dit bonne nuit, les petits. Eh ben oui, maman. Ben oui. C'était une belle journée, quand même. J'ai pas dit le contraire. Ah.